on est dans le chapitre 2. Donc, le chapitre s'intitule Les interruptions. Nous l'avons commencé déjà la dernière fois. Donc, je fais un petit rappel et je vais enchaîner sur ça. Alors, nous avons dit qu'une interruption est un événement généralement asynchrone. Asynchrone pour dire que je ne connais pas le moment quand est-ce qu'il arrive, provoquant la suspension du programme en cours d'exécution, le passage à un autre code appelé les routines d'interruption, ou bien parfois on l'appelle traitant de l'interruption, puis retour au programme suspendu. L'instruction qui permet un tel retour s'appelle IRET. Voilà ce que nous avons dit, et c'est schématisé, comme vous le voyez sur le slide. Ah, vous m'arrêtez si vous avez des questions, s'il vous plaît. Nous Bah, messieurs. sommes passés ensuite. Oui, tfadal. Messieurs, l'écran bloqué. L'écran est bloqué? Alors, je vais arrêter le partage et je vais le redémarrer. Inch'Allah, ça va fonctionner maintenant. Bouge maintenant. Oui, monsieur. Très bien. Parfait. Ensuite, on est passé à la classification des interruptions. Nous avons dit qu'il y a deux grandes classes d'interruptions. Il n'y a pas une troisième, il y a deux classes, donc les interruptions matérielles et les interruptions logicielles. Nous avons commencé par la première classe qui est les interruptions matérielles. Nous avons dit qu'elles sont provoquées par des événements externes, ça veut dire par des signaux électriques. Ça vient de l'extérieur via le bus de contrôle. C'est bien schématisé ici. Donc nous avons deux interruptions matérielles. La première, c'est la NME. La NME, c'est pour dire non masquable interruption. Donc une interruption non masquable, ça veut dire que quand elle vient, elle passe, donc le processeur ne réfléchit même pas. Donc, il va suspendre ce qu'il était en train de faire pour passer au traitant de l'interruption. Donc, ça veut dire que la NME ne dépend pas du bit d'état IF du PSW. Comment ça fonctionne? Donc, le processeur, on suppose qu'il était en train de fonctionner, ça veut dire en train d'exécuter un programme. La ligne NME, qui est une entrée au processeur, au repos, elle est à zéro. Donc, tant qu'elle est à zéro, le processeur dit, je ne reçois rien du tout. Et le périphérique qui est là, qui veut un service, donc il n'a qu'à faire élever ce signal de 0 à 1. Et le processeur, quand il constate qu'il y a ce changement-là, il va dire, je reçois l'interruption NME. Automatiquement, donc, il va suspendre le programme en cours d'exécution. Là, il faudrait bien comprendre la chose. Si je suppose que le processeur était sur un programme, si je suppose que le programme était sur un programme, et il reçoit donc le signal NME qui lui dit « Suspends ce que tu es en train de faire pour passer un traitant de l'interruption. » Si je suppose que le processeur était au milieu d'une instruction, il ne va pas suspendre au milieu de l'interruption. Il va terminer l'instruction en cours parce qu'une instruction, elle est indivisible. On ne peut pas l'arrêter au milieu. Donc, le processeur termine l'instruction en cours. Ensuite, il va suspendre l'exécution du programme. Donc, ça, c'est le premier type d'interruption matérielle. Le deuxième type d'interruption matérielle, c'est ce qu'on appelle la INTR. Interrupt request. Donc, ce n'est pas une interruption, c'est une demande d'interruption. Request en français, ça veut dire demande, bien une requête d'interruption. Alors, pour ce type d'interruption-là, ou bien ce type de demande d'interruption, quand un périphérique envoie une demande d'interruption, le processeur il va répondre favorablement en disant au périphérique, j'accepte ta demande d'interruption s'il trouve IF égal à 0. Donc pour lui, c'est un non-événement et donc il va continuer normalement son programme sans suspendre le programme qui est en cours d'exécution. C'est bien dit ici, voilà, dépend du flag IF. Si IF est égal à 0, les requêtes sont masquées. Masquées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processeur, comme s'il ne reçoit rien du tout, donc il ignore cette requête.
Par contre, si IF est égal à 1, le processeur donc, va suspendre le programme en cours d'exécution pour passer un tiers temps de l'interruption. Et la INTR, le processeur répondra, en cas où IF est égal à 1, il répondra par un accusé de réception qui s'appelle INTA bar. Ce signal, il est à 1 au repos. Et s'il est d'accord pour la demande d'interruption, il répond par un 0. Et quand le périphérique constate que ce signal INTA bar a changé de 1 à 0, il va dire que la requête a été acceptée. Des questions sur ça? Parfait. Donc, la deuxième classe d'interruption, c'est ce que nous avons appelé les interruptions logicielles, c'est-à-dire que c'est les interruptions qui ne viennent pas par des signaux électriques, elles sont provoquées soit par des instructions d'interruption ou par des conditions logiques. J'ai donné un exemple, maintenant une instruction INT21H, ça c'est une instruction qu'on trouve dans les feuilles des instructions sur l'ISA du 8086. Et pour dire, nous voulons provoquer l'interruption numéro 21H. On va voir plus tard qu'il y a plusieurs numéros. Et donc, quand le processeur rencontre cette instruction, il suspend le programme en cours d'exécution, il va passer à une routine d'interruption numéro 21H. Ou bien, une interruption matérielle peut être provoquée par une condition logique, comme j'ai dit, telle que par exemple les erreurs de division par zéro. Si vous essayez de diviser par zéro, le processeur va provoquer une interruption, c'est l'interruption numéro zéro, et il va passer au traitement d'interruption pour régler ce problème. Nous avons fait une note pour dire que pour les microprocesseurs x86 de Intel, toutes les interruptions sont vectorisées. Vectoriser, ça veut dire quoi? Les adresses de début des différentes routines d'interruption sont sauvegardées dans une table qu'on appelle la table des vecteurs des interruptions. En d'autres termes, dans l'ordinateur, dans la mémoire centrale, il y a une table qui s'appelle la table des vecteurs des interruptions. Elle est composée de vecteurs, exactement, on va voir 256 vecteurs, où chaque vecteur contient l'adresse physique de début d'un traitement de l'interruption. Adresse de début. Monsieur, Oui. les slides ont bloqué. Mais je n'ai pas les interruptions matérielles. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va faire comme tout à l'heure. Ça ne bouge pas toujours comme ça? Ça ne bouge pas? J'essaie de faire. Non. Alors là, c'est un problème. Malice, donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, on va arrêter le partage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va arrêter le partage. Et le redémarrer de nouveau. J'ai peur qu'on va faire ça pour chaque slide. C'est bon, vous assurez les interruptions logicielles maintenant? Oui. Ok, Inch'Allah, ça va fonctionner. Et si je fais ça, est-ce que vous êtes sur le slide table des vecteurs des interruptions? Oui, monsieur. Okay. Oui, très bien, très bien. Ok, donc alors, nous sommes arrivés à discuter de la table des vecteurs des interruptions. Nous avons dit tous les micro-ordinateurs ont une table des vecteurs des interruptions, ou Shfiha. Les adresses de début des différentes routines d'interruption. Encore une autre fois, quand je dis routine d'interruption, bien traitant de l'interruption, c'est la même chose. Donc, cette table, elle est située dans la mémoire centrale, hein, dans la DRAM. Cette table est composée de 256 vecteurs. Donc, exactement, il y a 256 vecteurs. Ça veut dire qu'on peut avoir 256 routines d'interruption. Chaque vecteur est de taille 32 bits. Pourquoi 32 bits? Parce qu'il est constitué de CS et de IP. CS sur 16 bits et IP sur 16 bits. Et si vous prenez CS et IP, vous avez l'adresse physique de début d'une routine d'interruption. Dans chaque vecteur est sauvegardé l'adresse physique CS et IP du début d'un traitement de l'interruption. Comment est organisée cette table? Donc, nous avons dit les cinq premiers vecteurs de cette table sont réservés
à la sortie dixième du microprocesseur par Intel. Donc, il reste 251 vecteurs. Certains de ces 251 vecteurs sont réservés par le système d'exploitation. Et il restera également des vecteurs qui sont vides pour qu'ils soient donc utilisés par l'utilisateur en cas où il veut développer des routines d'interruption. Comment est schématisée la chose? Et vous voyez le nouveau slide, s'il vous plaît, la table des vecteurs des interruptions? Oui, monsieur. Ah, il y a très bien. OK. Donc, voilà où est-ce qu'on est arrivé la dernière fois. Donc, on est arrivé à la table des vecteurs des interruptions. Comme je viens de le dire, les cinq premiers vecteurs, ils sont là. Adam, ceux qui sont en rouge, ils sont donc réservés à la sortie d'usine du microprocesseur par Intel. Hein, ça veut dire tous nos microprocesseurs, tous, quelle que soit leur puissance, nous avons la même définition pour les cinq premiers vecteurs. Notez également, s'il vous plaît, que la table des vecteurs des interruptions, elle occupe les premières cases mémoire des RAM. Hein, vous voyez, donc, parce qu'on commence à l'adresse 0. Donc, ça veut dire que si j'imagine la mémoire centrale, je dirais les premiers octets de la mémoire centrale sont occupés par la table des vecteurs des interruptions. Combien d'octets exactement? Nous les avons comptés la dernière fois, si vous vous rappelez. Nous avons dit il y a 256 vecteurs, où chaque vecteur est sur 32 bits, hein, 4 octets. Donc, si vous faites, voilà, si vous faites 256 vecteurs multipliés par 4 bytes, qui est la taille de chaque vecteur, vous sortez avec 1024 bytes, qui veut dire 1 kilobyte. Donc, si on essaie d'imaginer la table des vecteurs des interruptions, ou bien si on essaie d'imaginer la mémoire centrale, le premier 1 kilo-octet de la mémoire centrale, le premier centrale, équivaut à quoi? Équivaut à la table des vecteurs des interruptions. Nous avons tous cette définition. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est très important d'imaginer la chose. Parfait. Ensuite, donc, après les cinq premiers vecteurs, nous avons dit, par exemple, que Intel se réserve le vecteur 0 pour l'adresse de début de la routine d'interruption qui traite les erreurs de division par 0. Si vous prenez le vecteur numéro 1, celui-là contient l'adresse physique de début de la routine d'interruption qui fait l'exécution pas à pas. Ensuite, à la NME, ensuite à l'insertion de points d'arrêt, l'interruption overflow. Okay? Donc, si vous venez au vecteur 4, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'adresse de début de la routine d'interruption qui crée le problème de l'overflow si vous le demandez. Ensuite, il y a 251 vecteurs, le voilà, vous voyez la deuxième accolade qui est là, 251 vecteurs. Parmi ces 251, certains sont définis par le système d'exploitation et d'autres sont libres. Hein? Donc, le système d'exploitation vient d'abord, il se réserve quelques vecteurs, il restera d'autres vecteurs qui sont libres. Parmi les vecteurs qui sont réservés par le système d'exploitation, par exemple le vecteur 9 qui est là. Qu'est-ce que contient le vecteur 9? Il contient l'adresse physique de la routine d'interruption qui traite donc la gestion du clavier. En d'autres termes, à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier, le processeur va suspendre le programme en cours d'exécution. Il va passer dans une routine d'interruption qui va saisir le code ASCII de votre touche que vous avez tapée. Où est-ce que cette routine d'interruption se trouve? La première adresse de cette routine, elle est sauvegardée ici. OK? Donc, la routine d'interruption qui correspond au vecteur 9, elle est exécutée autant de fois que vous tapez du caractère sur le clavier. Je parle maintenant du vecteur 8. Alors, le vecteur 8, là, j'attire votre attention. Lundi passé, j'ai fait le cours deux fois, n'est-ce pas? Pour une sous-section, c'est une sous-section.
Donc, pour une sous-section, j'ai eu le temps d'expliquer ça. Pour l'autre sous-section, je n'ai pas eu le temps pour expliquer les vecteurs 8. Donc, là, je m'intéresse beaucoup plus à la première sous-section qui a commencé à 8 heures lundi passé. Je n'ai pas expliqué ça, donc je le répète pour que tout le monde ait la même information. Brièvement, je vais le dire. Alors, le vecteur numéro 8, c'est ce qu'on appelle le vecteur de l'interruption timer. Hein? Donc, le vecteur 8 correspond à la routine d'interruption du timer. C'est quoi le timer? Le timer est un circuit qui vient avec le processeur. C'est un circuit électronique qui vient avec le processeur. Ce circuit qu'on appelle le timer, ou bien en français le temporisateur, est un circuit qui envoie périodiquement des interruptions au processeur. Okay? Donc ce circuit qu'on appelle le timer ou bien le temporisateur, périodiquement, il envoie une interruption au timer, au processeur. Alors, combien d'interruptions il envoie? Il envoie exactement 18,2 interruptions par seconde. 18,2 interruptions par seconde. Ça veut dire dans une seconde, il envoie exactement 18,2 interruptions. En d'autres termes, si vous faites 1 sur 18,2, vous allez trouver la périodicité de chaque appel du timer. Alors, 1 sur 18,2, ça vous donne exactement 55 millisecondes. Ça veut dire que ce timer qui est là, ou bien ce temporisateur, envoie au processeur une demande d'interruption toutes les 55 millisecondes. Toutes les 55 millisecondes, il envoie une demande d'interruption. Et le processeur va venir à ce vecteur 8 pour trouver l'adresse de la routine d'interruption qui est demandée par ce timer. Alors, l'intérêt maintenant, comme je viens de l'expliquer pour l'interruption du clavier, j'ai dit l'interruption du clavier qui correspond au vecteur numéro 9, elle est exécutée à chaque fois qu'une touche du clavier est enfoncée. Pour le timer, son rôle, c'est quoi? C'est que toutes les 55 millisecondes, il envoie une requête. Pour faire quoi? Pour faire le rafraîchissement de la mémoire dynamique. Okay? Donc, parmi les choses qu'il fait, c'est le rafraîchissement de la mémoire dynamique. Je reviendrai sur ça ici. C'est juste une petite explication, mais on reviendra sur cela beaucoup plus en détail, notamment en TP, plus tard, Inch'Allah. Monsieur, Anna, vous pouvez répéter ce point, s'il vous plaît. le timer? Oui. Ok. Alors, chacun de nous est trié. Il y a le processeur, ou ici, un autre circuit qu'on appelle le timer. Bekri, le timer, le circuit, c'est un circuit électronique. Kenji, en dehors du processeur. Kenji, le processeur, où il lui est connecté un timer, un temporisateur. Mais tellement ce temporisateur, ce timer, il était toujours présent avec le processeur, à la fin, elle a dit, Madame, le timer est un circuit électronique qui vient toujours avec le processeur, il l'a intégré dans le processeur. Okay? Donc le timer, il y est toujours, qu'il soit externe au processeur ou bien interne au processeur, il est toujours présent. Qu'est-ce qu'il fait le timer? Le timer est un circuit qui sait envoyer des demandes d'interruption au processeur sur la broche INTR. Alors, il envoie des requêtes ou bien des demandes d'interruption périodiques. Une semaine périodique, il bat une requête au processeur. Après 55 millisecondes, il y bat. Après 55 millisecondes, il y bat. Ça veut dire quoi? Que notre processeur est interrompu par le timer toutes les 55 millisecondes. Très interne qu'un programme que tu as lancé pour une exécution. Il faut savoir que ton programme, il va être interrompu toutes les 55 millisecondes. Ça veut dire que le processeur, il abaisse le programme TAC, il va aller à la routine d'interruption du timer. Vous voyez, c'est la routine 8. Hein, c'est le vecteur 8, c'est la routine d'interruption numéro 8. Il va faire interrompu, qui est le rafraîchissement de la mémoire dynamique. On revient, le processeur revient à votre programme. Donc, votre programme, quand vous le lancez, maintenant, on connaît ça,
vous avez un programme que vous avez écrit, vous le lancez. Vous devez maintenant vous dire que mon programme n'est pas exécuté du début à la fin sans s'arrêter. C'est qu'il y a le timer qui vient interrompre votre programme toutes les 55 millisecondes. Ça veut dire quoi? Le timer, il se rappelle que le temps machine, toutes les 55 millisecondes, il dit au processeur, rappelle le programme que tu es en train de faire, va aller à la routine d'interruption numéro 8, exécute-la, ben, revient pour continuer ton programme. 55 millisecondes après, ton programme également est interrompu. Le processeur va aller à la routine d'interruption du timer, il va l'exécuter et il revient toutes les 55 millisecondes. Pourquoi faire? Pour faire le rafraîchissement de la mémoire dynamique. Parce qu'on sait que la DRAM, elle est volatile. Enfin, elle est volatile, oui. Ça veut dire quoi? Qu'elle est volatile, mais également, donc, elle perd son contenu si je ne fais pas un rafraîchissement de la mémoire dynamique. Donc, le timer s'occupe de cela. Voilà. Si vous avez des questions, posez-moi des Monsieur, questions. la tâche du timer, c'est le rafraîchissement de la mémoire dynamique, ou une des tâches du timer. Bon, si vous voulez, OK, c'est une très bonne question. Si vous voulez, on va dire une des tâches. Pourquoi? Parce que si vous faites bien les TP, vous allez toucher à la routine d'interruption du timer pour créer une autre tâche. Disons pour l'instant une des tâches. C'est bon, comme ça? Oui, merci, monsieur. Mais il faudrait retenir que ce timer, ça veut dire que quel que soit le programme que vous lancez, sachez que votre programme n'est pas exécuté en contigu comme ça, du début jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un qui vient vous voler le temps, c'est le timer, toutes les 55 millisecondes, il dit, le processeur, c'est le programme l'air va dans la routine d'interruption, exécute-la, va bien au programme. 55 millisecondes après, également votre programme est suspendu. Le processeur, il relit le programme tel qu'il la routine d'interruption du timer, il va l'exécuter ou il revient au programme. Mais vous ne le sentez pas. Pourquoi? Parce que c'est très rapide. Le temps est très rapide, vous ne le sentez pas. Mais c'est le cas. C'est le cas. Elle est très intéressante, cette routine d'interruption, et on s'arrêtera sur elle plusieurs fois, plus tard, Inch'Allah. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Parfait. Donc, je passe au slide suivant. Ça suppose. OK, vous voulez qu'on retourne que je suis le debug? Oui, monsieur. Répondez-moi, s'il vous plaît. OK. Est-ce que vous avez fait la commande D pour voir Oui, le contenu de monsieur. la mémoire? Ah, très bien. Allez, très bien. Alors, je vais faire avec vous quelque chose, c'est juste pour vous donner un petit détail. Ou bien, on va exploiter ce que vous avez fait en TP. Vous me suivez? Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais sortir de ce slide. Je vais ouvrir une autre fenêtre. D'accord? Alors, je vais arrêter donc là. Je vais ouvrir une fenêtre Word. C'est juste pour travailler un peu. Je vais la partager. C'est juste pour ne pas laisser le TP isolé du cours là, du TD. Alors, j'augmente un peu. Et je vais un peu exploiter avec vous ce que vous avez fait en TP, le peu que vous avez fait. Je sais que vous m'avez dit que vous avez fait le debug. Parmi le debug, vous avez fait la commande D. On vous a dit que la commande D, c'est la commande dump. Et ça, c'est pour afficher contenu mémoire. Vous voyez ce que je suis en train d'écrire? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Ah, OK, très bien. Vous m'avez dit, vous avez fait cette commande, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Alors, bonne idée. Si je fais D 0, 0, 0, 0,
deux points, 0, 0, 0, 0, espace 0, 3, FF. Et je fais entrer. Selon vous, qu'est-ce que je vais avoir sur l'écran? Allez, on essaie de partager nos connaissances. Oui. Contenu 00 adresse 0000 tel Ouais. 03 OK. Et ça équivaut à quoi? Vous êtes en train. le vecteur Ah, voilà. de Vous êtes en train de voir, vous êtes en train d'afficher la table des vecteurs des interruptions. Toute la table des vecteurs des interruptions. C'est bon? On fait une expérience? On va faire une expérience. Inch'Allah, je vais fermer cette table. Je vais la faire. Ce que vous êtes en train de voir, je le ferme. Inch'Allah, attendez, je vais essayer une petite tentative de quelque chose. Si ça marche, Inch'Allah, ça va marcher. Inch'Allah, ça va marcher. Alors, je vais partager de nouveau. Est-ce que vous êtes en train de voir? Oui, monsieur. Très bien. OK, on va faire l'expérience maintenant. C'est ce que vous avez fait en TP. Vous avez vu aller, n'est-ce pas? Donc, si je fais debug, après, j'ai ça, n'est-ce pas? Arrêtez-moi si vous ne comprenez pas quelque chose. Nous avons dit, si je fais D, 0, 0, 0, 0, 2 points, 0, 0, 0, 0, espace 0, 3, FF. 3, FF. J'ai dit, on va voir quoi? Parce que quand je dis D, ça veut dire c'est un ordre qui est donné pour afficher le contenu de la mémoire. D'où, à partir de cette adresse, qui est le début de la mémoire centrale, jusqu'à l'offset 03FF. Donc, ma fraude, quand je fais ça, je vais voir quoi? La table des vecteurs des interruptions. Allez. Hop. OK. Je vois qu'est-ce qui se Le passe. 35 et 0. L'espace. OK. Alors, il y a un zéro en plus, c'est vrai. Deuxièmement, quand je vais l'écrire, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de penser un peu le Fnianin, c'est ceux qui ne veulent pas trop écrire de zéro, ils peuvent faire ça. Écrire zéro, alors, 4 zéros, kif-kif, n'est-ce pas? Voilà, ah la table des vecteurs des interruptions. Mais, comme elle est très grande, donc, vous voyez, il y a beaucoup de vecteurs qui sont libres. Vous les voyez, ils sont libres. Donc, ce n'est pas intéressant de faire ça. En plus, il y a un défilement, donc vous ne voyez plus le début, vous ne voyez que la fin. Alors, je vais faire la chose autrement. D, 0, 2, 0, 2.0. Allez, si je fais allez, sans préciser la fin, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'afficher ce qu'on appelle une page d'écran. Une page d'écran. Une page d'écran qui a 128 octets. Voilà, une page d'écran, il va s'arrêter. Voilà. Si vous comptez ici, vous allez trouver il y a 128 octets. 128 octets. Voyez-vous? Chaque ligne, vous avez 16 octets. Ça commence ici jusqu'à là. Voilà, je pense que j'ai précisé l'adresse de début, je n'ai pas précisé l'adresse de fin. Donc, il va afficher une page d'écran. Si je fais D, donc, sans préciser l'adresse, il va me donner les 128 octets suivants. Ben, je fais D, il va me donner les 128 octets suivants. Vous avez des questions sur ce que vous êtes en train de voir? J'essaie de vous aider à voir le TP un peu. Monsieur, Ah non, oui. هذيك Pardon. لا تيري دو سيس لا تيري مسيو لا تيري. ما فهمتش لا تيري، سي كوا لا تيري؟
بين اه ال اوكي 8 إلى اوكي 9 أوكتي. ما في حتى معنى، ما في حتى معنى، ما في حتى معنى. Donc, si vous comptez comme ça, vous avez 16 octets. Si vous comptez comme ça, vous avez 8 lignes. 8 fois 16, ça vous fait 128 lignes. 128 octets. Ce qui est une page d'écran. Ça, quand vous ne précisez pas l'adresse de fin, il va vous donner une page d'écran. C'est toujours la suite. OK? Vous voyez, par exemple, là, l'offset, c'était 0, puis là, 90, puis là, 80, 90, A0, B0, à chaque fois. Donc, les adresses s'incrémentent par 16 d'une ligne à une autre. Deuxième chose, je ne sais pas si on va l'expliquer. Ici, vous avez les adresses. Là, vous avez le contenu de la mémoire. Ou Hadi, c'est du charabia. Il n'y a rien du tout de spécial. C'est juste ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a autant de caractères que d'octets. Si vous comptez ici, vous avez 16 octets par ligne, n'est-ce pas? Là également, vous avez 16 caractères par ligne. Alors, si un octet ici est un code ASCII affichable, vous allez avoir son équivalent. Si la valeur qui est là n'est pas un code ASCII affichable, ça veut dire d'un caractère qu'on peut afficher, vous lisez un point. Là, sur cette ligne, vous voyez un arrêt de 0 là, qui est un caractère qu'on peut afficher, et il correspond à quoi? Le 0 là, 0 là, O, mon chef, le 0 là, O, je vais vérifier. Est-ce que c'est un 0? C'est quel caractère? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est 4F, donc c'est le O. C'est le O. C'est le O. OK? C'est le O. Alors, si vous voulez, c'est un caractère plus. Voilà. Je fais là. L'avant-dernier caractère, c'est un caractère affichable. Nous avons dit que le A majuscule, son code ASCII, c'est 41H. Voilà, 41H. Si maintenant vous avez des valeurs qui ne sont pas des codes ASCII affichables, c'est des points qui sortent. Voilà, c'est bon, c'est clair? OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que moi je veux faire? Si je fais debug, je fais D. 0, 2.0. Commencez à voir à partir de là. Ici. Que représente ça? Que représente ça? Alors, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais aller doucement pour que vous compreniez ce qu'on est en train de faire encore. D0, 2.0. Ceci demande à afficher le contenu de la mémoire à partir de l'adresse 0. Parce que la commande D, c'est pour afficher le contenu de la mémoire centrale. À partir d'où? À partir de l'adresse 0. Voilà. S'il vous plaît, arrêtez-moi quand vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est le premier octet. Ça veut dire que c'est le premier octet de cette adresse. C'est quoi? C'est le deuxième octet de cette adresse. C'est le troisième octet, le quatrième octet, le cinquième octet, 6, 7, 8, etc. En d'autres termes, si je prends 60, 10, 60 et 10, selon vous, qu'est-ce que ça représente? 60, 10. Selon vous, qu'est-ce que ça représente? Premier vecteur. Voilà, je suis au vecteur numéro 0, n'est-ce pas? C'est le IP0, n'est-ce pas? Parce que IP0, il est sur 16 bits. Là, la représentation, je suis sur 8 bits, n'est-ce pas? Ça veut dire, si je prends Hermes-Souche, vous voyez mon curseur bouger? Hermes-Souche, représente le IP0. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est le IP0 inversé. Pourquoi? Vous vous rappelez le Little Endian? Quand j'ai une valeur sur 16 bits, on représente d'abord l'octet bas, ensuite l'octet haut. Donc si je veux lire le IP0, si je veux lire le IP0, mon code c'est 70, mon code c'est 10, 60.
Le Little Endian, 10,60. 10,60, c'est le IP0. Et le CS0, c'est combien? F000. Pour dire comme ça. F000. Parce que la représentation, elle est en Little Endian. L'octet bas d'abord, l'octet haut ensuite. C'est bon? OK. Hala maintenant. Si je prends Hala. Hala. Alors, 1, 2, 3, 4. Si je prends 0,8, 0, 0, qu'est-ce que ça représente? 0,008. C'est le IP1. Le IP1. Mais comment je dois le lire? 0, 0, 0, 8. Et le CS1, c'est combien? C'est 0, 0, 70. OK? OK? C'est bon? Et vous avancez comme ça. Alors, que représente maintenant 1060 et F000? Que représente ça? Ça représente l'adresse de début de la routine d'interruption numéro 0. En d'autres termes, F00002.1060, ça représente l'adresse de la première instruction de la routine d'interruption numéro 0. C'est là où se trouve la routine d'interruption. Si je prends maintenant 0070.0008, ça représente quoi? L'adresse physique de début de la routine d'interruption numéro 1, etc. Et après chaque vecteur, je suis sur un nouveau vecteur. Donc, c'est le vecteur 0, vecteur 1, vecteur 2, vecteur 3, vecteur 4, vecteur 5, 6, 7, etc. J'espère que vous voyez plus clair maintenant. Parfait. Maintenant. Si je vous dis, n'attique un exercice, on nous dit comme la semaine prochaine, ramenez-moi la table des vecteurs des interruptions dans votre flash disk. Comment vous allez faire? Parce que là, c'est un affichage, n'est-ce pas? C'est un affichage. Moi, je veux avoir la table des vecteurs des interruptions. Parce que, tu vois, quand je fais D, 0, 2.0, 3, FF, voilà, j'ai toute la table des vecteurs des interruptions qui est affichée. Parce que le dernier octet de la table est HEDA. Et je suis à 3F0 pour HEDA. 0, 3, F0, HEDA, 0, 3, F1, 3, F2, F3, etc. Donc, si vous continuez comme ça, c'est 0, 3, FF. Donc, c'est le dernier octet de la table des vecteurs des interruptions. Mais, c'est affiché sur l'écran. Mais si je vous dis, ramenez-moi ça sur un flash disk pour pouvoir l'imprimer, l'afficher, etc., qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez régler ce problème? Quelqu'un a une solution? Non? Est-ce que vous avez compris ma question, s'il vous plaît? Ah, c'est des choses pratiques, hein? Donc j'essaie de sortir un peu de la théorie, passer avec vous aux choses pratiques. Je veux ne pas afficher, je veux l'avoir sur mon flash disk. Parce que si je vais avoir ça dans un fichier, ça veut dire que mon fichier contient quoi, finalement? Toutes les adresses de toutes les routines d'interruption de mon système. Comment je vais faire ça? On s'est mis d'accord. Si je fais debug, on va effacer un peu l'écran. Si je fais debug, je fais D0.0.3FF. C'est clair, c'est affiché sur l'écran. Je ne veux pas ça. Je veux l'avoir sur un flash disk. Voilà comment on fait. On fait debug. On va faire ça.
Le symbole veut dire tout simplement dérouter l'unité de sortie standard. C'est le symbole que je viens de taper, c'est le signe supérieur. Ça veut dire dérouter l'unité de sortie standard. Que veut dire ça? Ça veut dire, nous savons que l'unité de sortie standard, c'est qui? C'est l'écran. Je l'avais dit depuis le premier semestre, j'ai dit, si je dis par exemple au système, affiche-moi sans préciser où, par défaut, c'est l'écran. Nous savons que le clavier, c'est l'unité d'entrée standard et l'écran, c'est l'unité de sortie standard pour les systèmes d'exploitation. Maintenant, si je veux, moi, afficher quelque chose, mais pas sur l'écran. Je veux l'avoir dans un fichier. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dérouter l'unité de sortie standard. En d'autres termes, comme si je dis au système d'exploitation, Madabik, elle tكتب لي, mais ne tكتب ليش sur l'unité de sortie standard qui est l'écran. Je veux que tu m'écrives dans un écran, dans un fichier. Donc, on va utiliser à ce moment-là ce symbole. Et laissez-moi, par exemple, dire archi, comme ça. Hop. Ça, c'est quoi ça? Je vais dire archi. Ou je Ça veut dire, au lieu qu'il va m'afficher sur l'écran, il va m'écrire ça dans un fichier archi. Donc, si le fichier archi existe déjà, il va écrire dans ce fichier. Si le fichier archi n'existe pas, il va le créer, il va écrire. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, au moins, faites-moi signe que vous êtes là, vous me suivez. Là, Ok, très bien. monsieur, Anna, oui. Monsieur Menderes, archive pour un texte, par exemple, Mais, l'extension. ma yhemmech, parce que c'est un fichier, un texte, donc même dire walou, ça va marcher. Ça va marcher. Si tu veux dire point texte, dire à la roche, mais ça va marcher, ok? Alors, D'accord, monsieur. s'il vous plaît. J'ai besoin de votre logique. Si je fais entrer, qu'est-ce qui va se passer? Allez, me direz, attendez, vous me répondez. Si je fais entrer, qu'est-ce qui va se passer? L'image que je voulais quand je fais archi de car Voilà. Voilà. À partir de cet instant, si vous écrivez quelque chose, ce n'est plus écrit sur l'écran, c'est écrit dans votre fichier. C'est votre fichier archi qui devient l'unité de sortie. Voilà. Voilà. monsieur, qui peut nous rejoindre maintenant? On va le faire, on va le faire, d'accord? OK. Alors, on fait entrer. Hop, à partir de cet instant, même si vous écrivez maintenant, vous ne voyez rien sur l'écran. Parce que là, c'est archi, le fichier archi qui est devenu votre unité de sortie. Et on appelle ça quoi? Dérouter l'unité de sortie standard. C'est Archie qui est devenu votre tableau, si vous voulez, votre écran. Donc, si je tape quelque chose, ça ne va pas sortir sur l'écran, mais ça va s'écrire dans le fichier. Voilà. Alors, moi, si je veux avoir la table des vecteurs des interruptions, la commande, c'était quoi? Vous vous rappelez? D0.2.0. Espace 3FF, n'est-ce pas? Donc moi je vais taper ça. Vous n'allez pas le voir parce que c'est écrit dans le fichier. D 0.2.0 espace 3FF. Vous ne le voyez pas. Vous le voyez pas. Je fais entrer. Eh bien, maintenant, la table avec, tout à l'heure, on la voyait sur l'écran. Maintenant, on ne la voit pas parce qu'elle est dans le fichier archi. Elle est dans le fichier archi. Classe, Kemelt, n'est-ce pas? Je suis sûr que dans le fichier archi, qu'elle la tape. Maintenant, j'arrive à la question de votre collègue. Comment sortir? Comment rendre le contrôle à mon unité de sortie standard? Parce que Kemelt, dire Q. Parce que pour sortir du debug, on fait Q pour quitter. Alors, Q, voilà. J'ai tapé Q, vous ne le voyez pas, mais il est dans le fichier. Je fais entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, j'arrive à écrire sur l'écran.
Si j'ai envie de voir maintenant le fichier archi, je peux faire type. Là, une autre commande. Je vais vous donner plusieurs archi. Voilà la table qui est dans mon fichier. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, finalement, cette table, je l'ai exportée et je l'ai stockée dans mon fichier archi. Quelqu'un va me dire la chose suivante. Va me dire, Cheikh, et si je veux encore dérouter quelque chose sur mon fichier archi, est-ce que je vais perdre ce que j'ai déjà dans mon fichier archi qui est la table des vecteurs des interruptions? Pour ça, il y a la table des vecteurs des interruptions. Si je fais Edit, archi, je peux l'avoir à la table. À la table, exactement. À la table. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'avais tapé D0, 2.0. Je suis dans le fichier archi. Hein? Et vous le voyez, voilà, fichier archi. D0, 2.0, 3FF. C'est ce que moi j'avais tapé. Mais comme j'avais dérouté l'unité de sortie standard, donc je ne le voyais pas, c'était écrit dans mon fichier. Et voilà la table, elle est là. Elle est là, voilà. Voilà, elle est la table. À la fin, j'ai tapé Q, n'est-ce pas? Pour sortir. Alors, je ferme le fichier. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça maintenant? Debug. Lieu de faire un seul symbole, je vais faire deux symboles. Archi. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? La place d'un symbole supérieur à A, j'ai fait deux sauges supérieures. Quel est l'intérêt? Accéder au fichier déjà existant. Exactement. Ça veut dire c'est rajouter des choses au bas du fichier. Parce que si vous faites un seul symbole maintenant, on peut faire l'expérience si vous voulez. Si je fais ça, intérêt. Je change de commande. Khalil dire R. Vous avez fait la commande R? Oui, monsieur. Ok. Si je fais R, voilà. Je viens de taper R. Entrée Q. Je reviens maintenant au fichier. Fichier, voilà qu'est-ce qui se passe. Et vous, la table a été supprimée, ça a été remplacé par la commande R. Okay, donc, avec un seul symbole supérieur, si j'utilise un seul symbole pour dérouter l'unité de sortie standard, eh bien, ce que je vais écrire va remplacer ce qu'il y avait avant. Ça veut dire que je perds ce qu'il y avait avant. Par contre, maintenant, si je veux rajouter au bas ici des choses, je vais faire quoi? Voilà, je vais. Suivez-moi, s'il vous plaît. Debug. Je fais deux fois le symbole plus, comme ça, et je fais archi. Supposons maintenant, il y avait déjà la commande R et je veux rajouter la table des vecteurs des interruptions. Donc, D0, 2.03FF. Comme ça, je ne vais pas perdre ce qu'il y avait déjà dans le fichier. Q pour sortir. Et je fais Edit. Edit archi. Et bon, cette fois-ci, ce que j'avais avant dans le fichier, il est là, plus la table des vecteurs des interruptions qui est là. Donc, avec deux symboles supérieurs, c'est ce qu'on appelle la commande append, c'est rajouté par le bas. Et voilà, je peux créer un fichier système comme ça où il y a beaucoup d'informations sur ce que je veux faire exactement. Voilà. L'idée, je viens d'avoir ici la table des vecteurs des interruptions. J'espère que ça a été bénéfique à vous. Je vais fermer ça, donc sauf si vous avez des questions pour revenir au cours. Pas de questions? Parfait. Donc, nous rejoignons Monsieur, maintenant. Kinderou, la commande debug Anna. plus grand archi, pour Oui.
pour dérouter le fichier archi. Oui. Est-ce que ça va être applicable? Gare les applications du PC ou là, juste faire de la machine virtuelle? Non, c'est un fichier que vous pouvez récupérer partout. Ça devient un de vos fichiers. Non, monsieur, je veux dire, par exemple, après avoir tapé cette commande, est-ce que si, par exemple, Zama j'ouvre un Zama le navigateur et que j'écrive quelque chose, est-ce que ça va s'écrire sur l'écran ou là ça va être écrit Kimaf au début, le fichier archi? Ça dépend où est-ce que je fais. Tout le debug, machine virtuelle avec le DOSBox. Avec le DOSBox. DOSBox. Le DOSBox, donc ça dépend où est-ce que le dossier vous voulez écrire, comment vous le créez. Donc, si donc ce dossier est vu par les autres applications, il n'y a aucun problème, vous récupérez Archie là où vous voulez. OK? Ça demande un peu de pratique, mais vous pouvez le récupérer là où vous voulez. Et donc, vous en faites l'usage que vous voulez. Voilà, donc, c'était juste une ouverture pour essayer de faire les joints entre le cours, le TD et le TP, pour que vous voyez que donc, ça fonctionne ensemble. À chaque fois, donc, quand le besoin se fait sentir, je fais la petite visite et je reviens à cela. Alors, qui va sortir de nous? Donc, un site qui va sortir de la fenêtre. Je sais, il y a un moyen pour le faire. Comment sortir de là? Comment? Attendez. Je sais, il y a un moyen pour revenir à ma fenêtre. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai oublié. C'est juste pour revenir. Quelqu'un peut m'aider pour revenir à l'écran principal, pour fermer cette fenêtre. Je savais le faire. Je savais le faire, mais ici. Monsieur, contrôle FNAF. Comprendre? Contrôle FNAF. F9. Je ne pensais pas, je sais contrôle quelque chose, mais contrôle. Ok, il y a avec ça. Il y a avec ça. Mais moi, je faisais contrôle quelque chose. Hein, donc, allez, au Ah, chinois. contrôle entrée, je suis sur le contrôle FNAF, je suis sur le programme. Ok, parfait. Donc, allez, on va faire. Je reviens au cours maintenant. Vous m'entendez? Vous êtes là toujours? Oui, monsieur. Monsieur. Ok, c'était le contrôle F9 qui a tout fermé. Donc c'est contrôle quelque chose. Je ne l'ai plus en tête, mais il n'y a aucun problème. Donc voilà ce qu'on était, voilà ce qu'on voyait à travers le debug tout à l'heure. Hein, donc IP0, où nous avons dit qu'il faut lire ça en Little Endian, CS0, il faut lire ça en Little Endian, etc. Donc,
On l'a vu dans le debug. Des questions avant de passer au slide suivant? Parfait. Donc, je vais récapituler un peu ce qu'on vient de faire pour continuer, s'il vous plaît. Donc, un récapitulatif sur les interruptions matérielles. C'est bon, vous êtes passé au slide header? Vous êtes sur le slide header? Allô, allô? Je pense que nous allons faire les vecteurs, monsieur. Anan? Monsieur, vous avez changé Nous allons faire les de slide. vecteurs. Vous allez installer le vecteur? Oui. Ok, donc il y a un problème avec Internet aujourd'hui. Je vais donc arrêter le partage. Parlez-vous, j'ai monsieur, vous voulez interruption logicielle. Ok, non, je vais venir à l'Hadi, SMS, شوف, de quoi beaucoup. Récapitulatif, non? Oui, monsieur, Oui, on a fait oui, c'est Ok, slide 7. Voilà, très bien. Donc là, je vais récapituler un peu pour pouvoir enchaîner par la suite. Donc, je fais un récapitulatif sur les interruptions matérielles. Nous avons dit dans la classe interruption matérielle, on a l'interruption NMI, n'est-ce pas, le cas A, l'interruption NMI. Donc, je le schématise ici, voilà le programme principal. Je suppose que j'ai lancé ce programme qui est là. Et d'une manière asynchrone, à un certain moment, il y a un signal NMI qui arrive au processeur sur la broche NMI, qui demande donc une interruption NMI. Cet événement demande une interruption NMI. Donc, vous voyez le processeur, il était en train d'exécuter un programme, donc c'est les instructions du programme ici. Et l'événement NMI arrive. Que va faire le processeur? Il va terminer l'instruction en cours, hein, parce qu'il ne peut pas suspendre le programme au milieu d'une instruction. Il va terminer l'instruction en cours et il va passer à la routine d'interruption qui correspond à NMI. D'accord? Donc, voyez-vous, il ne réfléchit même pas. Il se dit, j'ai mis l'interruption NMI, je termine l'instruction en cours et je passe. Donc, je suspends le programme header. Il va exécuter la routine d'interruption NMI jusqu'à ce qu'il va rencontrer IRET, qui va lui demander de revenir au programme suspendu pour le continuer. Donc, la preuve est que la NMI ne dépend pas de IF. Le processeur passe à la routine NMI. Je passe au deuxième cas B. Cette fois-ci, c'est une demande d'interruption, c'est une requête, c'est une interruption INTR. C'est une requête d'interruption. Alors, la même chose, je suppose que j'ai un programme principal qui est en cours d'exécution. Je suppose que la première instruction, ici, c'est STI, bah, c'est mon traitement. Et au cours du traitement, j'ai un événement qui s'appelle une requête INTR. Cette fois-ci, comme la INTR, elle dépend de IF, le processeur va jeter un coup d'œil à ce que IF est égal à 1 ou bien 0. Comme nous avons précédé ça par STI, donc IF est égal à 1, le processeur donc va accepter cette requête, va attendre la fin de l'instruction en cours, ensuite il va passer à la routine d'interruption pour l'exécuter jusqu'à IRET. IRET qui le fait revenir ici pour continuer le programme suspendu. On suppose ici, parmi les instructions qui sont là, il y a CLI. Donc CLI, elle va mettre IF égal à 0, la suite du programme. Et pendant la suite du programme, une autre requête INTR arrive. Donc voilà. Comme tout à l'heure, donc, quand la requête INTR arrive, la première des choses que le processeur va faire, il va consulter le bit IF pour voir est-ce qu'il est égal à 1 ou bien 0. Cette fois-ci, grâce à CLI, IF est égal à 0. Donc, quand la requête est venue, IF est égal à 0. Donc, l'interruption est masquée. Donc, le processeur ignore la requête et continue l'exécution du programme normalement, comme si c'était un non-événement. Il continue normalement l'exécution du programme. Voilà donc la différence entre la NMI et la INTR, qui les deux sont matériels. Est-ce qu'il y a des questions sur ce slide, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon? Pas de questions? OK. مسيو Donc, تقدر تعاود وش نعاود؟ بقيت الاخر الأخيرة، أوكي.
Le cas B, c'est donc, si vous voulez, la chronologie des événements lors d'une demande d'interruption, lors d'une requête. Ça veut dire quand un événement vient sur la broche INTR du processeur. Nous savons que INTR, ça veut dire Interrupt Request. Alors que NMI, ça veut dire Non-Maskable Interrupt. La première, elle est quand une interruption vient, elle est acceptée automatiquement. Ici, quand un événement vient sur la broche INTR du microprocesseur, eh bien, le microprocesseur ne répond favorablement à cette requête que si quoi? Que si IF est égal à 1. Là, dans le programme principal, nous avons supposé que nous avons fait STE, qui veut dire IF est égal à 1. Okay? STE, voilà, c'est mettre IF égal à 1. Et lors de l'exécution du programme, une requête est venue, INTR, dans le processeur, donc, va l'accepter parce que IF est égal à 1 et va aller à la routine d'interruption pour l'exécuter jusqu'à IRET, pour revenir et continuer le programme suspendu. Voilà, la suite du programme suspendu. Nous supposons ici, nous avons placé une instruction CLE. Et quand une requête vient, voyez-vous, elle est venue après CLE. Le processeur consulte IF. CLE a mis IF égal à 0. Et donc, ça veut dire que le processeur n'est pas autorisé à répondre à cette requête. Donc, il va l'ignorer. Il va continuer le programme normalement, comme si aucun événement est venu. Tout simplement. Pour votre information, le processeur ne va même pas mémoriser que cette requête est venue. Pour lui, c'est un non-événement. L'arbia, la hadith. Donc, il continue normalement. Alors qu'ici, parce IF était égal à 1, donc la INTR, elle a été prise en considération. Voilà pour donc, les interruptions matérielles. Nous reviendrons sur les interruptions matérielles beaucoup plus en détail. Quand on sera prêt dans un autre chapitre, ça sera le chapitre 4, Inch'Allah. Dans le chapitre 4, on reviendra pour donner assez d'informations sur ça, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, on va quitter les interruptions matérielles. Et on continue. Je suis sur le slide numéro 8. Est-ce que vous êtes sur le slide numéro 8, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Je reviens maintenant à la deuxième classe, qui est les interruptions logicielles. Nous avons dit qu'il y a deux classes d'interruptions. Les interruptions logicielles et les interruptions matérielles. Nous avons un peu discuté des interruptions matérielles. Nous avons besoin de certains détails pour pouvoir continuer les interruptions matérielles, notamment les opérations d'entrée-sortie. Donc, on quitte les interruptions matérielles pour l'instant et on passe à la deuxième classe qui est les interruptions logicielles. Laissez-moi faire un rappel de cette deuxième classe. Donc, nous avons dit que les interruptions logicielles sont provoquées soit par des instructions d'interruption ou suite à la présence d'une condition logique. Parfait. Alors, c'est quoi une instruction d'interruption? Une instruction, c'est une instruction que je place dans mon programme, n'est-ce pas? Comme les instructions move, add, etc. Donc, il y a une classe d'instructions qui s'appelle les instructions d'interruption. Donc, c'est des instructions qui provoquent une interruption. C'est pour cela qu'on appelle interruption logicielle. Voilà le détail de cette interruption logicielle. Donc, l'interruption logicielle, comment on fait un appel à une interruption logicielle numéro N? Numéro 1, la syntaxe c'est int espace n. Si vous placez une instruction dans un programme, int espace et un certain nombre ici, vous êtes en train de provoquer une interruption logicielle. Hein? Donc dans le programme, int est une instruction comme move, add, etc. Mais le rôle TH, c'est de provoquer une interruption. Ça veut dire vous demandez au processeur de suspendre le programme où vous êtes pour passer à une routine d'interruption. Quelle est cette routine d'interruption? C'est la routine d'interruption numéro N. Numéro N. Et il va passer à cette routine, l'exécuter jusqu'à IRET, et ensuite revenir au programme suspendu. Maintenant, l'action de cette instruction, cette interruption logicielle, quand vous dites int et un certain numéro, maintenant int 21H, c'est quoi l'action que le processeur va mener? Ici, c'est l'action quand le processeur rencontre cette instruction dans le programme. Dès que le processeur rencontre l'instruction int espace n, voilà ce qu'il fait. Il va faire trois push automatiques. Trois push automatiques. Vous voyez, voilà un premier push, voilà un deuxième push, voilà un troisième push. Encore une autre fois.
Si vous placez dans votre programme l'instruction int espace et un certain nombre n, le processeur va provoquer automatiquement, d'une manière implicite, comme on a dit la dernière fois, vous vous rappelez l'utilisation implicite de la pile, trois push. Ça, c'est le second. Celui-là, c'est le troisième. Alors, qu'est-ce qu'il va empiler en premier lieu? Il va empiler le PSW de votre programme. Hein, vous voyez, il empile le PSW de votre programme. Chose qui ne se faisait pas avec les appels aux procédures, n'est-ce pas? Donc, le PSW est sauvegardé dans la pile. Il est empilé. Un deuxième push, vous vous rappelez, un push, c'est quoi? Un push, c'est la décrémentation de SPD-2 suivie d'une écriture, n'est-ce pas? Au sommet de pile. Donc, le PSW. Un deuxième push, cette fois-ci, va sauvegarder l'adresse de retour du programme suspendu. Il va sauvegarder le CS retour. Un troisième push qu'il va faire, il va sauvegarder le IP retour du programme suspendu. Donc, trois pushes implicites sont provoqués quand le processeur rencontre une interruption logicielle. OK? Une fois qu'il a terminé à sauvegarder ce qu'on appelle, maintenant on appelle ça pas l'adresse de retour, on va appeler ça le contexte du retour, le contexte du programme suspendu. Une fois que le contexte du programme suspendu a été empilé, le processeur va maintenant mettre IF à 0, il va mettre TF à 0, automatiquement. Donc, il aura le PSW, il force IF égale à 0 et TF égale à 0. Quelqu'un va dire, mais on vient de perdre ces valeurs dans le programme principal. C'est la raison pour laquelle il sauvegarde le PSW d'abord, car le retour est un programme suspendu. Ensuite, il prend la liberté de modifier IF et TF. Donc, il n'y a aucun risque parce que les valeurs dans le PSW, y compris IF et TF, ont été sauvegardées dans le programme suspendu avant que le processeur ne les modifie. Pourquoi il les modifie? S'il met IF égale à 0, c'est juste pour dire que quand je vais aller à la routine d'interruption, par défaut, une requête, une INTR, n'est pas acceptée. Et pourquoi il met IF égale à 0? C'est pour dire que par défaut, quand je vais aller à la routine d'interruption, même si le programme suspendu était en train d'être exécuté pas à pas, la routine d'interruption ne va pas être exécutée pas à pas. Voilà pourquoi il fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller préparer l'adresse de la routine d'interruption, où se trouve la routine d'interruption. Donc, il va aller à la table des vecteurs des interruptions. À la table des vecteurs. Il va se baser sur le nombre n qui est là, ce nombre qui est là, n. Il va le multiplier par 4. Et le contenu, vous voyez les crochets qui sont là. Le contenu de la case mémoire qui est à l'adresse n fois 4, le contenu TH, il va être chargé dans IP routine. Le IP de la routine d'interruption. Et le contenu de la case mémoire n fois 4 plus 2, le contenu de la case mémoire, il va être chargé dans CS routine. OK. Quelqu'un va dire pourquoi fois 4? Pour la simple raison, si vous vous rappelez, attendez, je vais faire ça, et je vais revenir marche arrière. Pour la simple raison, si vous venez ici, nous avons dit que... Monsieur, l'écran est bloqué. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand sommes-tu allé à Gna, est-ce que, attendez, quand sommes-tu allé à Gna, vous pouvez être à l'ana. Est-ce que vous êtes sur la table des vecteurs des interruptions maintenant? Est-ce que vous êtes sur le slide numéro 6, s'il vous plaît? Non. Non, monsieur, vous êtes plus vite. Non. OK, Malinesh. Malinesh. Alors, je vais l'expliquer sans revenir sur le slide. Si vous revenez à la table des vecteurs des interruptions, nous avons dit qu'on progresse d'un vecteur à un autre modulo 4, si vous vous rappelez. Hein? Pourquoi pas? Chaque vecteur, sa taille, c'est 4 octets, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'on multiplie par 4. Je vais l'expliquer autrement. Supposons que vous avez dit
int 0, int 0. Donc, le int 0, donc c'est l'interruption, c'est les erreurs de division par 0. C'est le vecteur numéro 0. Vous vous rappelez? C'est le vecteur numéro 0. Donc, si int 0, ça veut dire 1 égale à 0, mettez un 0 aussi, 0 fois 4, 0 fois 4, ça donne 0. Donc, vous êtes en train de lire le contenu de l'adresse 0, qui est le IP 0. Il va être chargé ici. Ici, 0 fois 4, c'est 0, plus 2, ça fait 2. Et vous êtes en train de lire le CS 0 que vous êtes en train de mettre dans le CS routine. Si maintenant vous dites int 1, int 1, ça veut dire 1 égale à 1, ça veut dire que le IP routine sera chargé par quoi? Par la case mémoire qui est égale à 1 fois 4. Parce que 1 est égal à 1. Et 1 fois 4, ça fait 4. Et les crochets disent le IP routine va être chargé par le contenu de la case mémoire 4. Vous me suivez? Là, je dois revenir à la table des vecteurs des interruptions. Vous lisez la table? Oui, monsieur. Ok, donc je suis obligé, si ça, je fais une tentative pour revenir comme ça. Si ça ne marche pas, donc je dois arrêter le partage et le relancer. Est-ce que l'écran bouge, s'il vous plaît? Non. Ok, très bien. Donc, je suis obligé donc, d'arrêter. C'est bon, monsieur, ça bouge comme ça? Oui, c'est bon. Très bien, j'ai compris pourquoi. OK. Quand vous dites 1 égale à 0, nous avons dit, entre crochets, 1 fois 4. Et si 1 est égal à 0, donc 0 fois 4, ça donne 0. Entre crochets, ça veut dire le contenu de cette case mémoire, OK, qui va aller à IP0, IP routine. Voilà l'adresse de 0. Si vous, maintenant, on nous a dit pour 1 égale à 0, CS routine va être chargé par le contenu de la case mémoire, hein, il y a les crochets, 1 fois 4 plus 2. 1 est égal à 0, donc 0 fois 4, ça donne 0, plus 2, ça fait 2. 2, donc il est entre crochets, ça veut dire que le CS routine va être chargé par le contenu de la case mémoire, 2. Donc, si la case mémoire, c'est 0, c'est 2, n'est-ce pas? C'est le CS0. Je prends un autre exemple. Supposez int 1. Si c'est int 1, ça veut dire 1 égale à 1. 1 égale à 1. Donc, ça veut dire que le IP1, le IP routine va être chargé par le IP1. Comment ça? Le IP routine va être chargé par, entre crochets, 1 qui est égal à 1 fois 4. Donc, ça veut dire c'est entre crochets 4. Donc, ça veut dire que le IP routine va être chargé par ce IP1. Parce que voilà la case mémoire qui est l'offset 4. Et le CS routine va être chargé avec quoi? Entre crochets 1 fois 4 plus 2. 1 est égal à 1. 1 fois 4. Ça fait. Un fois 4, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Et ça, c'est la case mémoire. Si ça, c'est 4, allez, c'est 6. OK? Et vous continuez. Pourquoi? Parce que le 4 est d'elle, parce qu'on progresse d'un vecteur à un autre en modulo 4. Voyez-vous? Après chaque 4 octets, je suis sur un nouveau vecteur. Voilà. 2, donc, on est en train de multiplier 1 fois 4. Voilà, 1 fois 4 et 1 fois 4 plus 2. Et ça, c'est tiré d'où? C'est un vecteur d'interruption. C'est un vecteur d'interruption. Posez-moi vos questions si vous avez des questions, parce que j'ai l'impression de tout avoir expliqué, mais je ne sais pas. S'il vous plaît, monsieur Ayesh, c'est dans le chat. Bonjour, madame Doha. Bonjour. Ça. Oui, votre question, madame Doha? Oui, j'ai une question par rapport au slide précédent, à l'STI. La STI. Oui, c'est juste une réflexion.
Le STI, ça met le, c'est-à-dire ça set, ça met le IF à 1, ça veut dire qu'on prend en charge. C'est ça. Si au début, on met un CLI, ça veut dire que l'utilisateur, il peut mettre un CLI au départ. Il peut mettre un CLI au départ. C'est libre à lui, oui. Voilà, ça veut dire qu'il ne va pas prendre en considération les interruptions. Ce serait pas dans tes requêtes. Madame Doha, pas moi je les interruptions, les demandes d'interruption. Oui, les requêtes d'interruption, voilà. Voilà, la question que je pose, c'est est-ce que ce ne serait pas dangereux par rapport au rafraîchissement de la mémoire de la DRAM? Ah Si je oui, mets. écoutez, j'ai compris votre question. Oui. Sophie, ça, c'est ce qu'on appelle une erreur logique. Ça veut dire, si l'utilisateur l'a provoqué, tant pis pour lui. Parce que Ah, d'accord. c'est supposé que je suis un expert. Donc, quand je fais quelque chose, j'ai bien analysé la chose. Parce qu'il y a ce risque-là, il y a ce risque-là, souvent, le système d'exploitation protège. Fait des protections comme ça. Mais si vous êtes sur une machine nue, hein, j'entends par machine nue, ça veut dire une machine qui n'est pas habillée d'un système d'exploitation, et vous créez vous-même votre système d'exploitation, eh ben C'est dangereux. vous Ah prenez le risque. Vous prenez le risque. oui. Okay? Ça devient dangereux. Ça devient dangereux sur une machine nue à laquelle nous l'avons habillée par un système d'exploitation. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous avez un système d'exploitation, on prend cette précaution que C'est-à-dire, on ne on peut pas les protège. utiliser à tort. Non, c'est vrai. Moi, je discute sur une machine nue, d'accord? Telle que D'accord. le processeur vient de l'usine. Maintenant, si le système d'exploitation a fait une protection, donc libre à lui de l'avoir fait. D'accord. C'est clair, c'est bon? C'est très bien. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie, Saha. D'autres questions? Ok, j'espère. Donc, il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est clair. On va faire, en tout cas, on va faire un exemple. Khalil Kamal, le slide, on va faire un exemple. Alors, il y a la cousine de Int n, la cousine, hein, la cousine de Int n. Ça veut dire, quand je dis la cousine, elle a le même comportement avec une petite différence, une petite spécificité. C'est de dire int dans la syntaxe, dire int sans argument. Quand vous dites int sans argument, ben, quel est l'intérêt? Au lieu de dire int n, vous dites int, vous allez gagner un octet dans le code machine de l'instruction. Parce que si vous prenez int n, vous allez sur les feuilles des instructions, l'ISA du 8086, vous allez trouver que ça prend 2 octets. Un octet pour l'opcode et un octet pour le nombre n. Si vous dites int sans argument, eh ben ça ne prendra qu'un seul octet. Ça veut dire que vous allez optimiser la taille de l'instruction code machine. Alors, si vous dites int sans préciser le numéro de l'interruption, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, pour lui, c'est l'interruption numéro 3. Donc, vous dites int 3. Là, vous dites int, c'est kif-kif. Mais donc, l'avantage, c'est de dire int pour gagner un octet en code machine de l'instruction. Ça vous permet d'optimiser la taille de l'instruction en code machine. Et vous vous rappelez que int qui est le numéro 3, c'est pour l'insertion des points d'arrêt dans un programme. Alors, si vous dites int sans préciser le n, ça sera la même chose qu'ici, la même chose qu'ici, sauf que le n ici, ça sera le n égal à 3, tout simplement. N égal à 3. Donc, c'est la même chose. Une autre cousine de int n, c'est int o, l'asra, donc il n'y a pas d'espace. Int o, ce n'est pas zéro, c'est o. Qui veut dire appel à l'interruption overflow. Le o ici, c'est pour dire overflow. Hein? Tout est collé, int o. Int o, si vous voulez. Alors, de quoi il s'agit ici? C'est également une interruption logicielle, mais celle-ci, elle est conditionnelle. Ça veut dire qu'elle ne sera exécutée par le processeur que si OF est égal à 1. Si OF est égal à 0, donc elle n'a aucun effet, le programme continue normalement l'exécution de votre programme sans aller à une routine d'interruption. Donc, int o, ça permet de provoquer la suspension du programme en cours d'exécution que si seulement OF est égal à 1. Ça veut dire s'il y a un overflow. Vous avez fait un traitement qui a généré un overflow. Donc, si OF est égal à 1, que va faire le processeur? Il va faire la même chose qu'ici.
Et si vous revenez à l'interruption overflow, qui est celle-ci, voilà l'interruption overflow, c'est l'interruption numéro 4, n'est-ce pas? Donc, ça sera la même chose qu'ici, que, sauf que 1 ici, ça sera égal à 4. 1 égal à 4. Dernière chose, quelles sont les valeurs possibles de n? Vous savez que vous avez 256 vecteurs. 256 vecteurs. Et donc le n peut prendre la valeur de 0 jusqu'à 255. De 0 jusqu'à 255. C'est-à-dire, avec l'interruption int, je peux atteindre n'importe quel vecteur d'interruption. En hexadécimal, de 0, 0 jusqu'à FFH, parce que 255, c'est FFH. Des questions sur ça? OK. Il n'y a pas de questions, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais laisser l'instruction IRET, on va laisser l'instruction IRET à un moment. Là, on va la faire, on va la faire, on fait une application pour un peu comprendre ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, alors, IRET. IRET, c'est toujours la dernière instruction d'une routine d'interruption, d'un traitant de l'interruption. Toute routine d'interruption doit se terminer par IRET. Donc, alors, que fait cette instruction? Voilà, cette instruction permet de quitter le traitant de l'interruption, c'est-à-dire de quitter la routine d'interruption, et elle permet quoi? Le retour au programme suspendu. En allant faire quoi? En allant à la pile dépiler IP-retour, CS-retour et le PSW. Parce que tout le monde se rappelle. Voilà le slide précédent. Tout le monde se rappelle que quand je fais int n, il y a eu trois push implicites, automatiques. Hein? Il y a eu le PSW qui a été empilé, le CS retour, le programme suspendu, et le IP retour, le programme suspendu. Donc l'URET va dépiler. Et, si vous voulez, qui est au sommet de la pile maintenant? Voilà, je connais au sommet de la pile. C'est une question. Hein? Qui est au sommet de la pile? Le IP retour. Donc, c'est le premier qui va être dépilé, mais le CS retour, mais le PSW qui va être dépilé. Donc, voilà le travail de IRET. Voyez-vous, quand le processeur rencontre IRET, implicitement, c'est-à-dire sans que vous le disiez, il va aller à la pile. Il va commencer à dépiler. Vous voyez, un dépilement, c'est quoi? Je rappelle, un dépilement, c'est quoi? C'est une lecture à partir du sommet de la pile suivie de l'incrémentation de SP de plus 2. Donc, il va d'abord dépiler ce qui est au sommet de la pile, il va l'affecter à IP-retour, ben, il va dépiler ce qui est au sommet de la pile, il va le donner à CS-retour, il va dépiler ce qui est au sommet de la pile, il va le donner à PSW. Et donc, vous notez, le fait d'avoir mis IF égale à 0 et PF égale à 0. Donc, au retour, ça n'a aucun effet. Pourquoi? Parce que le PSW a été sauvegardé dans la pile avant cette modification. Et donc, voilà, les valeurs initiales de IF et TF sont restaurées dans le PSW quand je reviens au programme suspendu. Donc, ça n'a aucun effet sur le programme qui a été suspendu. OK, on va passer à une application pour mettre au clair tout cela. On va essayer de mettre au clair tout cela. Vous participez avec moi, on va terminer par cette application, s'il vous plaît. Mais vous participez avec moi. Voilà l'application, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, soit le programme principal suivant, je suppose, ça, mon programme que j'ai lancé, les pointillés qui sont là, ça veut dire, c'est des instructions, un traitement qui ne m'intéresse pas dans l'explication. Okay? Et quelque part dans mon programme principal, il y a int21h et la suite de mon programme qui est là, c'est les pointillés. Je mets en évidence seulement cette instruction de mon programme que je suppose qu'elle est à cette adresse-là. Cette adresse, je suppose, c'est l'adresse de cette instruction. Tout ce qui est en dehors de cette instruction dans le programme principal ne m'intéresse pas dans l'explication. C'est bon? Je suppose également, en plus du programme principal, je suppose qu'avant l'exécution de cette instruction, ça veut dire que le processeur est là. Le microprocesseur a la configuration suivante. Ça veut dire,
l'instruction. Je suppose que le PSW est égal à 0,3D5H. Je suppose que SP est égal à 0,450H. Je suppose que SS est égal à 0,450H. C'est un cas particulier où SS est égal à SP. Je suppose également, avant cette instruction, qu'une partie de la mémoire centrale rendait cette configuration. Je suppose qu'à l'adresse RD dans la mémoire centrale, c'est un FA à cette adresse, c'est un 48H. Vous voyez que ça se suit. Donc ça, c'est une partie de la mémoire centrale. Alors, qu'est-ce qui est demandé? On nous demande juste à l'entrée du traitant de l'interruption 21H. Parce que vous voyez, on appelle l'interruption 21H. Très lourd. Alors, int 21H, ça veut dire que le processeur, quand il va arriver ici, il va aller à la routine d'interruption. Parce que je suis en face d'une interruption logicielle, n'est-ce pas? Cette interruption est logicielle. Donc, elle ne dépend pas de IR. Si, donc vous le voyez très bien, là. Si il y a int n, le processeur ne réfléchit pas, il va directement à l'action, n'est-ce pas? Il va directement à l'action. Donc, on nous dit, juste à l'entrée de la routine d'interruption, donnez-nous la valeur de IP retour, routine, CS routine, ça veut dire c'est les adresses de la première instruction de la routine d'interruption. Donnez-nous à l'entrée de la routine d'interruption de PSW et donnez-nous à l'entrée de la routine d'interruption le SS et le SP, ça veut dire le sommet de pile. Est-ce qu'il y a des questions sur l'énoncé d'abord? Nous voulons juste mettre en pratique ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. OK, parfait. Alors, maintenant on raisonne. Mon programme, il est là. Il commence à s'exécuter à partir de là, les instructions qui sont là. Là, qu'est-ce qu'il trouve? Int 21H. Int 21H. Que lui dit que va faire le processeur? Il va mener l'action qui est là, n'est-ce pas? Il va mener cette action. Int n égale 21h, n'est-ce pas? Donc, on nous dit que quand le processeur rencontre int 21h, immédiatement, sans réfléchir, il exécute ça. Tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Il va aller d'abord à la pile pour sauvegarder le contexte du programme qu'il va suspendre. C'est le hajaloula qu'il va faire. Donc, hajaloula, parce que int 21h, mais quand même, je le processeur, il dit, ok, donc directement, donc il va suspendre le programme en cours d'exécution, il va aller à la pile pour sauvegarder le contexte du programme suspendu. Ok, donc il va aller à la pile. Pour aller à la pile, il a quoi? Il a SS et SP, hein, les valeurs de ham. SS égale 0,450, SP égale 450. Donc il va aller empiler. Comment il va aller empiler? Voilà la pile, n'est-ce pas? 0,450, 0,450. On nous dit quoi? La première des choses qui va être empilée, si vous vous rappelez très bien, la première des choses, c'est le PSW. Donc, il va empiler le PSW. Le PSW, on vient de dire qu'il est égal à 0,3D5. Avant int 21H, il est égal à 0,3D5. Donc, empiler, c'est quoi? C'est décrémenter le SP de moins 2. Donc, il était à 0,450, il est 0,44E. Il va empiler le PSW. C'est la première des choses qu'il fait quand il rencontre l'interruption int 21H. Ensuite, on nous dit, il doit empiler quoi? Le CS retour. Donc, le CS retour, le voilà. Là où est le CS retour? CS retour, c'est le programme qui va être suspendu. 0,100, c'est la valeur du CS retour. Donc, voilà. Un autre empilement. Donc, vous voyez le SP qui passe de 0,44E à 0,44C. Il va empiler quoi? 0,100, qui est le CS retour. Ensuite, on nous dit quoi? Il doit aller empiler le IP retour. Alors, c'est quoi le IP retour? Donc, si 0,50 constitue le IP
de int21h, le hyper-retour, c'est celui de l'instruction qui suit int21h. Il ne va pas revenir ici, sinon ça sera une boucle infinie. Il va revenir là. Alors, si vous allez sur les feuilles des instructions, vous allez trouver int1, elle fait 2 octets. Donc, cette instruction int21h, elle prend 0,350 et 0,351. Ça veut dire que le hyper-retour, ça va être 0,352. 0,352. Donc, il empile 0,352. Donc, nous venons de donner le contenu de la pile. Mais également, nous savons maintenant le SS et le SP. Voilà. Le SS maintenant, c'est 0,450. Et le SP, c'est 0,441. Donc, on dit le contenu de la pile. On dit maintenant les valeurs de SS et SP. On continue. La question, elle dit, donner le hyper-retour, le CS le hyper-routine, CS routine et le PSW. OK? Alors, d'où il va tirer le hyper-routine? Je reviens là. Voilà d'où il prend le hyper-retour. Routine. Il va aller à la case mémoire. Il faut 21 fois 4. Parce que 1 est égal à 4. 1 est égal à 21. Donc il va aller à 1 fois 4 où 1 est égal à 21. Donc il va aller à la case mémoire qui est l'adresse 21H fois 4. Celle-ci, bon, parce que je suis au début de la mémoire centrale, donc l'adresse segment c'est égal à 0. Si vous prenez 21 fois 4, ça donne 0,084. Donc il va aller à cette case mémoire-là. Il prend son contenu, il va l'affecter à quoi? À hyperroutine. Alors, vous voyez ça? Donc voilà, c'est pour ça qu'on a donné une partie de la mémoire centrale. Voilà 0,084, il y a 72. Voilà 0,085, il y a assez. Donc, ce sera ça, n'est-ce pas? Ça sera. Admettre le 62, c'est assez. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on écrit sur 8 bits, c'est en little endian. L'octet va d'abord, l'octet haut ensuite. Donc, comment il faut lire hyperroutine? AC72H. AC72H. OK? C'est le little endian. C'est comme ça que tous les microprocesseurs d'Intel travaillent. Quand ils ont une donnée sur 16 bits qu'ils veulent écrire dans la mémoire, ils donnent d'abord l'octet bas, ensuite l'octet haut. Donc la bonne lecture, c'est AC72H. Donc, voilà le IP routine AC72H. Même chose, si je reviens là, le CS routine, il va aller à la case mémoire n fois 4 plus 2, parce que le CS vient 2 octets après le IP, avec n égale 21. Donc, voilà, donc c'est n fois 4 plus 2, okay. Avec n toujours égal à 21, ça va faire n 21h fois 4 plus 2. Ça va vous donner 0,086. 0,086. Et si vous venez là, pardon, si vous venez là, dans la partie de la mémoire que j'ai donnée, voilà. La case mémoire 0086H, elle contient D2 et la suivante 62. Toujours en little endian, donc il faut lire 62 D2. Et ça me donne 62 D2. Donc, que constitue 62 D2 de points AC72H? Si je vais à la mémoire centrale, à l'adresse C62D2 de point AC72H, ou bien si vous voulez l'adresse segment 62D2, l'adresse offset AC72H, ben c'est l'adresse de la première instruction de la routine d'interruption. C'est l'adresse de la routine d'interruption, tout simplement. C'est le point d'entrée de la routine d'interruption. Donc, nous venons de répondre à cette question. Reste maintenant le PSW à l'entrée de la routine d'interruption. Dans l'énoncé, on nous a dit que juste avant 21H,
le PSW avait la valeur 0,3D5. Ça, c'est juste à l'entrée de la routine d'interruption. Je rappelle, voilà le rappel du PSW. Vous rappelez la chanson, voilà 4-0, 0, O pour overflow, DF, IF, TF, sign flag, ZF, etc. Ça, c'est la structure. Si vous écrivez 0,3D5, qui est juste avant INT21H, voilà son écriture, 0,3D5. Si maintenant j'essaie de localiser où est IF et TF, les voilà, c'est ces deux-là, n'est-ce pas? Dans la valeur 0,3D5, les voilà. Donc ça c'est, le premier 1 c'est le TF, le deuxième 1 c'est DF, TF. Alors, on nous dit que le processeur, avant de passer à la routine d'interruption, il met IF et TF à 0, voyez-vous, IF et TF sont mis à 0 avant de passer à la routine d'interruption. Donc, ces deux bits qui sont là, Adam, le processeur va les mettre à 0. TF égale à 0, IF égale à 0. Voilà. IF, voilà TF. Donc, le PSW à l'entrée de la routine d'interruption n'est plus égal à 0,3D5, mais il est égal à 0,0D5H. Voilà une application qui explique tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur les actions menées par le processeur quand il rencontre une instruction logicielle INT-N. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez répéter le PSW, s'il vous plaît. Ah, ma fiche, monsieur. Pour répéter le PSW, revenez ici. Quand le processeur rencontre INT-N, ou bien dans notre cas INT21H, voilà comment les actions qu'il mène, ordonnées de cette manière, après avoir empilé le contexte du programme suspendu, il va forcer IF à 0. Ça veut dire, par défaut, quand le processeur rencontre une interruption, il passe à la routine d'interruption, par défaut, il va avec l'idée que cette routine ne doit pas être interrompue par une requête. Toujours, c'est toujours comme ça. Donc, IF égale à 0, il va faire IF égale à 0, et également, il va se dire, même si le programme était en train d'être exécuté pas à pas, quand je vais à une routine d'interruption, l'exécution va se faire normalement pour éviter que ça prenne beaucoup de temps. Donc, il va faire IF égale à 0, TF égale à 0. Il va faire ces deux-là, OK? Avant d'aller charger l'adresse de la routine d'interruption. OK, donc nous avons dit que dans l'énoncé, nous supposons avant cette instruction que le PSW égale 0,3D5. C'est ça, avant cette instruction d'interruption. Donc, voilà, ça c'est un rappel du PSW. Ça c'est la valeur du PSW avant INT21H, qui est en binaire ça, ça donne ça. Nous constatons que IF est égal à 1, TF égale à 1 dans le programme principal. Maintenant, une fois que le processeur accepte l'interruption, d'ailleurs il l'accepte parce que c'est une interruption logicielle, après avoir empilé le tout dans la pile, il va mettre IF et TF égale à 0. Donc, où est IF? Où est le 1? Il le met à 0. Où est TF? C'est celui-là. Il va le mettre à 0. Avant d'aller à la routine d'interruption. Et donc, lisez maintenant 0, 0, T et 5. Et ça sera la nouvelle valeur de PSW à l'entrée de la routine d'interruption. D'autres questions? C'est bon, c'est clair? J'ai une question, juste une question par rapport au programme interrompu, s'il vous plaît. Oui. Et le programme interrompu, c'est-à-dire il dispose de certaines données dans ses registres généraux. Oui, oui. Il risque de les perdre s'ils ne sont pas sauvegardés. Madame Dukhassi, je vous considère comme étant quelqu'un qui fait de la... C'est Madame Doukha, n'est-ce pas? C'est Doukha, je suis une étudiante, okay. Hein. Ok, Madame l'étudiante Doha. Alors, moi, je parle à vous parce que je vous considère comme étant des gens qui font de la conception. Oui, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas des consommateurs, vous êtes des producteurs. C'est ça. Donc, ça suppose que vous allez écrire cette routine d'interruption. Ouais, okay. Donc, ça veut dire, vous allez faire l'audit. Vous allez dire...
quelles sont les choses qui sont déjà prises par le programme principal, maintenant des registres AX, BX, maintenant. Donc, à l'entrée de la routine d'interruption, la meilleure des choses, c'est de faire push AX, push BX. Ça me permet de libérer ces registres. À ce moment-là, je peux disposer de ces registres dans la routine d'interruption. Et avant de sortir avec IRET, je vais faire pop BX, pop AX. Ensuite, je fais IRET. D'accord, très bien, merci. Voilà. Saha. Salmak, Saha. D'autres questions? Parfait. Donc, Chauffe, il nous reste un petit slide. Un petit slide que je laisserai pour la prochaine fois. Je le laisserai pour la prochaine fois, je vais me tirer comme ça. Mais c'est juste pour attirer votre attention. Ce chapitre se termine ici. Mais dans le prochain cours, je vais faire l'annexe du chapitre 2. Alors, l'annexe du chapitre 2, ça sera une deuxième partie du chapitre 2 où ça sera de la pratique 100%. Tous les outils dont vous allez avoir besoin, les outils logiciels pour les interruptions, que ce soit en TP ou en dehors de TP, je vais les présenter. Ça sera donc, je vais appeler ça l'annexe du chapitre 2 que je vais faire la prochaine fois, Inch'Allah, avec ce slide également, où ça sera pratique à 100%. Donc, si vous voulez réussir vos TP, il ne faut pas rater l'annexe du chapitre 2 que je ferai la prochaine fois, Inch'Allah. On va prendre une pause. Alors, il est sûrement à 10h15. Et on va maintenant nous louer le TD, si vous voulez bien. On se donne rendez-vous à 10h30. Oh, ok, monsieur Saha. Saha, allez, bon. Ah, monsieur, la section Kamel de TD. On dit au courant, pas de. D'accord. Parce que, bah, tout n'a pas à deux, il y a un système TD système. Ça a battu comme l'invitation pour tout le monde. D'accord. Donc, merci. Ok. Donc, alors, dorénavant, donc, le cours est suivi par le TD. Ben, vous faites un cours avec Mme Chinaïd, suivi par le TD jumelé. Vous savez que quand vous avez un processeur, on peut le gérer par plusieurs systèmes d'exploitation. Ou il préfère travailler avec Windows, un autre peut travailler avec Linux, etc. Alors, voilà comment se présentent les interruptions avec les systèmes d'exploitation. Les cinq premiers vecteurs qui sont là, vous voyez, je suis sur le slide numéro 6, est-ce que vous êtes sur le slide numéro 6, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Écoutez bien ça parce que ça peut vous être utile dans le cours système d'exploitation. Quel que soit le système d'exploitation qui gère votre processeur, les cinq premiers vecteurs qui sont là, ceux qui sont en rouge, comme nous avons dit, c'est les cinq vecteurs réservés par Intel à la sortie d'usine du processeur. Ça veut dire que les cinq vecteurs sont reconnus par tous les systèmes d'exploitation de la même manière, que vous soyez sur Windows, que vous soyez sur Linux, que vous soyez sur un autre système d'exploitation, ces cinq vecteurs ont la même définition. Par exemple, vous prenez le vecteur 0, quel que soit le système d'exploitation, le vecteur 0 correspond aux interruptions de division par 0. Le vecteur 1, c'est pour l'exécution pas à pas. Le vecteur 4, c'est pour l'interruption overflow. Donc, ceux qui travaillent sur Linux, ceux qui travaillent sur Windows, ont la même définition. Après le vecteur 4, les vecteurs qui sont là, ça peut changer d'un système d'exploitation à un autre. Donc, c'est personnalisé selon le système d'exploitation. Donc, on peut ne pas avoir la même définition de ces vecteurs d'un système d'exploitation à un autre. Pourquoi? Parce que ça a été fait par le système d'exploitation, notamment pour les vecteurs qui sont en vert, les systèmes d'exploitation qui ont été réservés par le système d'exploitation. Donc, ça dépend du système d'exploitation. Donc, tous les systèmes d'exploitation reconnaissent ces cinq vecteurs tels qu'ils sont, quel que soit le système d'exploitation. Après le vecteur 4, là,
il peut y avoir des différences entre les systèmes d'exploitation. Ça peut intéresser Madame Doucha également. C'est bon, c'est clair? Parfait. Donc, s'il vous plaît, avant de fermer le chapitre aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions avant de passer en TD? J'ai une question, peut-être. Oui, allez-y. Oui, allez-y, madame. J'ai remarqué dans les slides que vous avez Oui. présentés, quand vous avez parlé des requêtes d'interruption, vous n'avez pas parlé de la sauvegarde du SP, du PSW, PSWCS et SP. Normalement, ça se fait aussi. Ah oui, ça se fait. Ça se fait. C'est pour ça qu'il me reste un slide ici. Le D'accord. dernier slide, le Ah, dernier slide. oui. Ah, ok, écoutez, معليش, on va terminer le chapitre. On va le faire, comme ça on sera sur l'annexe le chapitre 2 la prochaine fois. معليش, patientez avec moi, je termine le slide. C'est le dernier slide, on va donc passer en TD. C'est pas grave. Merci, merci. Ça nous permet d'être sur les annexes du chapitre 2 la prochaine fois. Donc je continue le cours seulement pour ce slide. Alors, je reviens donc momentanément sur les interruptions matérielles. Et d'ailleurs, la question a été posée par Madame Doura parce qu'elle a senti qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ce slide qui est là. Alors, dans les interruptions matérielles, écoutez, les interruptions matérielles, elles sont plus dominées par les requêtes que par la NMI. Quand on parle des interruptions matérielles, souvent on cite les requêtes, on ne cite jamais la NMI. Donc, c'est parce que c'est la plus dominante, les requêtes. Alors, laissez-moi rappeler les interruptions matérielles. Les interruptions matérielles sont provoquées par des signaux électriques, c'est ce que nous avons dit, externes. Donc, les périphériques, suivez-moi bien, voilà, les périphériques qui sont connectés à travers leurs circuits d'interface. Donc, chaque type de périphérique a son propre type de circuit d'interface. Et donc, s'il a besoin d'une requête, il l'envoie au processeur. Comment ça se fait exactement? J'espère que mes étudiants me suivent parce que c'est très important. C'est-à-dire que vous allez voir ici, il y a un lien entre cours archi avec plusieurs autres cours parce que ça donne la chose très clairement. J'augmente un peu le zoom pour que vous puissiez voir avec moi. J'augmente le zoom. Encore un peu. Comme ça. Alors, je suis sur la classe requête d'interruption. Pourquoi? Parce que c'est la classe la plus dominante. Derrière le titre ici, si vous voyez, je dis chronologie des événements lors d'une demande d'interruption, c'est-à-dire requête. C'est-à-dire, quand un périphérique demande une requête au processeur, une demande d'interruption, qu'est-ce qui se passe exactement dans le processeur? C'est schématisé ici. Laissez-moi prendre un périphérique. Voilà un périphérique. Nous avons dit plusieurs fois dans le cours qu'un périphérique n'est jamais connecté directement au processeur. Il est connecté à travers un intermédiaire qu'on appelle le circuit d'interface. Okay? C'est le cours, le chapitre 3. Alors, supposez que ce périphérique veut demander un service, donc une requête pour demander un service, comme s'il veut dire au processeur, est-ce que tu peux lancer, est-ce que tu peux laisser tomber momentanément ce que tu es en train de faire pour me faire un autre programme? C'est une requête, un autre programme, donc une autre routine d'interruption. Comment ça se fait? Si ce périphérique désire un autre service, autre que le programme qui est en cours d'exécution, donc il va informer son circuit d'interface pour lui dire, on voit une demande d'interruption au processeur. Comment ça se fait? Voilà le circuit d'interface qui envoie une demande d'interruption. Suivez ce fil, s'il vous plaît. Adam. Celui qui est numéroté 1, celui-là. Donc, voilà, le circuit d'interface qui envoie, et vous remarquez, c'est à travers le bus de contrôle. Il envoie, voilà, ça arrive ici, une requête, une demande d'interruption, qui va arriver au processeur sur la broche INTR. Donc, le 1, c'est bien interface qui envoie une demande d'interruption. Donc, vous voyez que la demande d'interruption, c'est le signal numéro 1, elle a. Hein, donc, voilà un signal qui va arriver au processeur sur la broche INTR. Vous vous rappelez, nous avons dit que la broche INTR, quand elle est à zéro, il n'y a pas de requête. Donc, ça veut dire que le circuit d'interface
va monter ce signal de 0 à 1. C'est l'événement numéro 1. C'est comme ça que ça commence. Le périphérique veut un service, veut un traitement, veut une routine d'interruption. Donc, il envoie une requête qui va arriver sur la branche INTR et c'est l'événement numéro 1. Alors, imaginez que le processeur est en train d'exécuter un programme et il a reçu cette requête, cette demande d'interruption. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va immédiatement provoquer l'événement numéro 2. C'est quoi cet événement numéro 2? Quand le processeur a reçu la requête, il va jeter un coup d'œil sur le bit IF du PSW et on va supposer qu'il est égal à 1. Parce qu'il est égal à 0, c'est un non-événement. On va supposer que IF est égal à 1. Immédiatement, le processeur va envoyer l'acquittement. Voyez-vous? Voilà. Qui va, via le bus de contrôle, revenir au circuit d'interface. Donc, vous voyez, c'est l'événement numéro 2. Voilà. Un accusé, un acquittement est retourné after current instruction is completed. Ça veut dire après que l'instruction en cours du programme principal est terminée. Parce que nous avons dit, pour ce, ne suspend jamais un programme au milieu d'une instruction. Donc, c'est l'événement numéro 2. Encore une autre fois, l'événement numéro 1, le périphérique à travers son circuit d'interface, demande une requête. L'événement numéro 2, le processeur, parce que IF est égal à 1, dit au circuit d'interface, donc au périphérique, je suis d'accord. Quel est le prochain événement? C'est l'événement numéro 3. Le périphérique à travers son circuit d'interface, via cette fois-ci le bus de données, via le bus de données, il va informer le processeur quel est le numéro de la requête qu'il demande, le fameux N. Quel est le numéro de la requête qu'il demande? C'est le N. Le processeur, donc, a reçu une demande de requête. Il a dit que je suis d'accord parce que le bit IF est égal à 1. Il reçoit le numéro de l'interruption via le bus de données. Il passe maintenant à l'événement numéro 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Ma foi, quand le processeur reçoit une requête, ensuite, il dit « je suis d'accord », ensuite, il reçoit le numéro de la requête, ça veut dire qu'il a toutes les informations. Il va passer immédiatement, donc, à l'étape 4. C'est quoi l'étape 4? C'est celle-ci. Là, voilà. Immédiatement, il va venir ici pour faire quoi? Pour empiler l'étape 4, pour empiler quoi? Le PSW, le CS et le IP du programme qu'il va suspendre. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà. Il les empile. Old PSW, old CS, old IP, ça veut dire c'est les valeurs, le contexte du programme suspendu. Voilà, l'étape 4 est terminée. Il va passer à l'étape 5. C'est quoi l'étape 5? Il va mettre IF et TF à zéro, comme on a dit pour les interruptions logicielles. Il le fait également pour les interruptions matérielles. Voilà, il met IF et TF à zéro. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? L'étape 5 étant terminée, donc voyez-vous, c'est l'affaire de PSW, il passe à l'étape 6. L'étape 6, maintenant, il fait quoi? Il va s'adresser à la table des vecteurs des interruptions. Selon la valeur N qui a été envoyée dans l'étape 3, il va dire le contenu de la case mémoire 4 fois N doit être envoyé dans IP et routine. C'est ce que nous avons dit également pour les interruptions logicielles. Et le contenu de la case mémoire 4 fois N plus 2, ça veut dire le contenu du vecteur N, doit être envoyé à CS routine. C'est l'étape 6. Ma foi, maintenant, IP routine et CS routine, ils ont pointe sur la première instruction de la routine d'interruption. C'est-à-dire, si CS et IP routine ont été chargés, ça veut dire que la prochaine instruction va se trouver dans la routine d'interruption. D'où l'étape 7. Le processeur va passer maintenant du programme suspendu à la première instruction de la routine d'interruption. C'est l'étape 7. On va supposer que ça, c'est le traitement de l'interruption. Alors, s'il vous plaît, dans cette partie qui est là, regardez la partie.
et f égale à 0. Ça veut dire que si jamais une requête vient comme ça, elle sera refusée. Par soignage, il a mis if égale à 0 dans l'étape 5. Donc c'est pour ça qu'on a supposé ici que quelque part ici, il y a une instruction STI. Donc s'il y a une instruction STI, ça veut dire quoi? La première partie de la routine heavy. Si une autre routine d'interruption vient, une autre requête, elle ne passera pas. Mais ici, si elle vient, elle sera prise en charge. Donc, c'est pour ça, pour bien expliciter la chose, donc, ils ont placé STI ici. Donc, voilà STI qui va armer les interruptions, les requêtes d'interruption. Et donc, s'il y a une requête ici, elle ne passera pas. S'il y a une autre ici, elle pourra passer. Alors, ça va être exécuté comme ça. Jusqu'à arriver à IRET. Quand il y a IRET, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous avons dit, elle va dépiler IP retour, CS retour, PSW retour. Donc, quand il y a IRET, on passe à l'étape 9, parce qu'on était à l'étape 8. L'étape 9, qu'est-ce qu'elle fait? Voyez-vous, elle va maintenant dépiler, voilà, dépiler le contexte du processeur et le ramener au processeur. C'est l'étape 9. Et donc, si on a dépilé IP retour et ce retour, donc le retour va se faire vers le programme suspendu. Voilà. Donc, tous les détails sont là pour une interruption matérielle. Vous êtes satisfaite, Madame Doha, comme ça? Oui, c'est très bien. L'image est très claire. Hein? Là, c'est Aïe, très, très clair. Super. aïe, alhamdoulilah. Ça, donc, quand il s'agit d'interruption matérielle. Donc, voyez-vous, pratiquement, c'est le même comportement au niveau du processeur, que je sois sur une interruption logicielle ou bien sur une interruption matérielle. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, très bien. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait pour combien les interruptions logicielles ou matérielles? Toute interruption matérielle, elle vient par un signal à travers le bus de contrôle. Donc, elle est physique. Elle est électrique. OK? L'interruption logicielle a deux types. Soit c'est une instruction d'interruption, soit c'est une condition logique. Mais l'interruption logicielle n'a rien de physique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, nous avons un STIF interrupt routine. Monsieur, il faut un GIF interrupted programme. أشوف هذه مديرينها تيتر ديكزامبل برك هذه ماهو إذا أنت تقول كون جو في باسي دون لا روتين دانتيريبسيون ما نحب حتى واحد يقلقني جو في با كنوتر بيريفيريك يقلقني بان ما ديرش اس تي اي كوم دخلنا هذاك اي اف ايكال زيرو دونك لي روكيت نو باسرون با هادي مدايرينها برك تيتر ديكزامبل بور دير كو اون بي توجور اوفرير لا فان ايسي بور ليسي باسي دي روكيت إذا ما ديرهاش إذا ما ديرهاش سافي دير بوندون تو سو طون كي إلا إي إف إيكال أ زيرو باسكو دخلنا هذاك إي إف إيكال أ زيرو تو سامبلومون جو سي با سي جي بيان ريبوندي أ فوتر كيستيون مي سي سكو جي كومبري دو فوتر كيستيون مسيو تسمى هكذا شغل يقدر يكون عندنا بليزيور انتيريبسيون على خطرات يقدروا كما شفنا في لي بروسيدور بيفت اتر امبريكي مثلا البروغرام برينسيبال ابل اون بروسيدور من داخل لا بروسيدور فو ابلي اون اوتر بروسيدور دونك يا امبريكاسيون ايغالمون ايسي تي بو افوار امبريكاسيون دي روتين انتيريبسيون البروغرام برينسيبال اي تي سسبوندو جينا لهنا بوندون ليكزيكسيون لا روتين جات اون اوتر روكيت دونك اون فوا باسي اون اوتر روكيت اكسيتيرا دونك اون ايماجين بيان كيس كي فا سي باسي دون لا بي فا يا افوار accumulation de quoi? Des contextes. Contexte, tout simplement. Donc, s'il y a imbrication des routines d'interruption. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? J'ai une question, s'il vous plaît. Tfadli, madame. Voilà. Tfadli. Est-ce qu'on peut dire que IF égale 1 est la valeur par défaut de I? Est-ce qu'on peut dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du concepteur, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, si vous ne mettez pas STI du tout dans une routine d'interruption, eh ben, elle va désarmer toutes les autres requêtes. Elles ne passeront pas. Donc, c'est un choix de conception. Eh, on, on peut dire même la chose suivante. Maintenant, fil la routine heavy, on peut imaginer, par exemple, en disant, ça, c'est une partie ici. Vous voyez le curseur derrière bouger? Est-ce que vous Ça, le voyez bouger? oui. Okay. Dans cette partie, elle est très urgente, très prioritaire. On ne veut pas qu'on soit dérangé.
Voilà, oui. Et donc, on laisse TF égal à 0. Et ici, on dit l'essentiel a été fait. Ici, on peut être suspendu, on l'a interrompu. Donc, on ouvre la vanne. Donc, c'est un choix de conception. Oui. OK, merci. C'est moi. Là, c'est bon, on passe en TD, c'est clair. En tout cas, moi j'insiste auprès de mes étudiants. C'est des choses très importantes. C'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, qui peuvent vous rendre beaucoup service, donc profitez-en au maximum. C'est surtout ce que je peux dire. Parfait. Donc, alors, la prochaine fois, on est sur l'annexe de cela. Encore une autre fois, l'annexe est quelque chose de très important. Tous les outils, je vais les présenter à les interruptions. Des outils pratiques, ça veut dire comment aller toucher aux interruptions, comment les programmer, comment dérouter une interruption, comment créer une routine d'interruption, comment créer un vecteur d'interruption. Tout cela, c'est de la pratique. Je le laisse dans l'annexe du chapitre 2 que je vais donner la prochaine fois. Monsieur, Dernière j'ai une chose. question. Tfadal. Quand dero CLI, on va dire Oui. dero ENT, j'ai 21 Oui, on âge. Fais le programme principal. a fait le programme principal. Dire, où je dire, Aoud? CLI, Oui, EF, on dira, on dira, l'ehna au départ. L'ehna au au départ, départ. oui. CLI. OK, très bien. On va te forcer une interruption. J'ai ENT, 21 âge. Elle va passer int 21H parce que int 21H c'est une interruption logicielle qui ne dépend pas du bit IF. Donc, quand elle vient, elle passe. Le CLI ne va armer, ne va masquer, ne va masquer que les demandes d'interruption, que les requêtes. Mais int N, elle passera parce que c'est une interruption logicielle. La NMI passera parce que c'est une interruption non masquée. Donc, le CLI tech ne va masquer que les demandes d'interruption, les requêtes seulement. Et j'avais dit tout à l'heure que quand on parle des interruptions, souvent on insinue beaucoup plus les demandes d'interruption. Parce qu'un système d'exploitation est basé plus sur les demandes d'interruption que sur autre chose. Voilà. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Parfait. Donc je vais arrêter ça. Juste une petite information, notamment pour mademoiselle Géraoui. Il y a un CP qu'on va faire mardi, Inch'Allah. Il y a un CP pour que le collègue délégué MEC soit informé. Je vais vous envoyer une invitation. À coup sûr, ça sera à 17h30. Ce n'est pas encore réglé à 100%, mais le mardi 15 mars, on va avoir un CP, le premier CP de ce semestre, certainement à 15h30, mais je vais vous le confirmer et je vais vous envoyer une invitation avec quand j'envoie à mes collègues également. D'accord, monsieur. Voilà. Donc, informez vos autres collègues délégués. Bien sûr. Sahiti. Place, donc je ferme Hada et on va passer en TD maintenant.